Chacun d'entre vous. Amen. Nous connaissons des salutations qui gagnent en pile fondement. En ce sens, l'on dit que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, ça dit beaucoup. Amen. Et chorale là, sur chanter, deuxième interprétation qui dit fais bon Dieu confiance. L'icône répond prière, n'est-ce pas? Et puisque bon Dieu qu'on répond prière, nous connaissons que grâce bon Dieu capable de descendre sous l'église, n'est-ce pas? Nous avons besoin de garder la paix parce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est dit, et voici, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bon Dieu va répondre, priez-nous. Maintenant, nous allons saluer premièrement les gradués, toutes petites New York qui sont à l'école et qui, pendant l'année, sont gradués. Et nous allons vous mettre au debout. Les gradués de Siloyer. I want you to stand up. C'est un seul nous gagnons. Anissa, c'est mon seul nous gagnons qui gradué. Ok, first of all, oh, nous gagnons deux. Même beaucoup de l'autre là. Ah bon, la marché. Ah bon, that's right. Ok, guys, first of all, I want to congratulate you. I want to congratulate you. And also, I want to say thank you to the Lord for your achievement. You realize your goal. And the church, the pastor, the deacon, and all of the church, we will pray for you. Okay, guys? We will pray for you. And once again, I congratulate you, and I ask God to assist you all of your life. May God bless you. Amen. Et nous battons bravo pour vous, n'est-ce pas? Et maintenant, on a demandé, est-ce que nous gagnons monde qui visitait nous pour la première fois ici à l'église évangélique Baptiste Siloyer? Est-ce que gagnons monde qui est rentré dans le temps ça et c'est la première fois qu'on venait? On a demandé, nous, mettez-nous haut. Merci beaucoup, merci, c'est toute une famille. Merci pour présence nous au milieu de nous. J'ai l'impression de me parler avec une soeur au cours de la semaine. Sûrement, c'est notre bien-aimé soeur, n'est-ce pas? Et l'église dit? Amen. Parce que pendant la semaine-là, moi, j'ai parlé avec soeur-là. Et je me suis dit vraiment que Marc Tanyo, parce que vous faites venir par vous ici, vous êtes sur l'église. Et bon Dieu permet que matin, vous êtes capable par vous ici avec nous. Nous espérons que, après la bénédiction, et nous avons aimé rencontrer. Donc, j'ai l'impression que c'est très difficile pour notre bien-aimé soeur, mais de toute façon, laissez parler ensemble avec nous. Voilà, nous avons besoin de petit parler avec eux. Après ça, nous allons retourner mener au lac. D'accord? Merci pour vos présence. Nous sommes capables de remplir quatre là. Mettez nos familles pour nous capables toujours être en contact. Écrivez vos téléphones. Merci pour votre présence. Songez que ici, c'est Caille Bon Dieu, donc c'est la Caille non. Vous êtes chez vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et vous voulez reconnaître que l'Église l'a même maintenant. Amen. Ok. Ok, nous mettons chita.
nous voulons rappeler à toutes fidèles Siloyer que service semaine, nous t'aimons que nous participer ensemble avec nous. Les lundis, les vendredis, nous avons une réunion de prière. Et les mercredis, à 7h30, nous avons une étude biblique. Mais espérez que tout le monde qui voulait nourrir de la parole de Dieu et répondre à questions qui sont difficiles que nous ne comprenons pas. Donc, nous avons souhaité rencontrer nous les mercredis ici à l'église et pour que nous soyons capables de partager ensemble le pain spirituel qui est la parole de Dieu. Et vendredi passé, le Seigneur te bannons, ils ont un très bon moment de veillée spirituelle. Nous étions dans la prière de 9h jusqu'à minuit. Donc, c'était vraiment bien. Et nous avons souhaité que la prochaine fois, que l'Église entière soit capable de retrouver ensemble avec nous pour des temps de prière. Jeudi, 9h30, nous allons avoir une matinée de jeûne et de prière. Et samedi prochain, à 10h30, il y aura répétition pour la grande chorale de l'Église. Et dimanche, Dieu voulant, il y aura classe de l'école du dimanche à 10h et à 11h. Nous allons gagner le grand culte d'adoration et de louanges à Dieu. Et les autres annonces que nous gagnons pour vous, c'est que le dimanche prochain, et aux environs de 4h de l'après-midi, les dames de Siloyer se proposent une rencontre exceptionnelle au restaurant Bohemia Brise, à Island Grill, au 612 Smith Event Mall, Lake Grove, New York, 11-755. Donc, toutes les dames de Siloyer nous demandent pour entrer en contact, s'il vous plaît, avec la présidente, la diaconesse Suze, pour gagner plus d'informations, de telle sorte que dimanche prochain, toutes les dames, je dis bien toutes les dames de Siloyer, sont capables de retrouver nous ensemble. Alors, je crois que c'est à l'occasion de la fête des pères. Oui, la fête des pères. Cette fois-ci, a fêté papa. Donc, nous espérons que les dames capables d'organiser ensemble avec la diaconesse Suze. Le vendredi 24 juin, au soir, nous sommes invités à diriger un service à l'église de Dieu de la vérité que dirige le pasteur Moïse Desroches. Cette église se trouve à Nassau. C'est pour la première fois que nous allons dans l'église. Ils ont habitué à venir ici déjà. Et cette fois-ci, le pasteur nous a lancé l'invitation et nous espérons que l'église entière, s'il a équipé à notre travail, le vendredi 24 juin, il va accompagner nous et aller diriger le service à l'église de Dieu de la vérité. Nous avons souvenir également que la conférence à l'église baptiste Clermont à Brooklyn a été reportée, je le disais, le dimanche dernier au samedi 25. Donc, nous espérons s'il y a possibilité, nous capables toujours aller à Brooklyn et participer à cette conférence où j'aurai à présenter, à débattre le sujet, le leadership chrétien. Et nous tenons à vous informer que selon le calendrier annuel de l'église, il y aura déjeuner des hommes et des garçonnets le 25 juin prochain, le barbecue pour le 4 juillet et la journée récréative le 16 juillet prochain. Donc ce sont des dates à retenir. Donc toutefois, ça dépend du conseil d'administration pour l'organisation de tout cela et suivant annonce que on va fais-nous connaître quelles sont les dernières décisions concernant ces différentes journées. Donc, maintenant, mes frères et mes sœurs, comme nous avons toujours dit ça, nous avons besoin de prier les uns pour les autres et surtout prier pour ceux qui sont malades. Nous avons besoin de continuer à prier pour cette église, l'église de Jésus-Christ, l'église évangélique baptiste Siloyer. Mais chacun de nous, comme nous toujours dit, dimanche après dimanche, chaque monde doit penser à propre éternité. Et comme texte qui était notre bien-aimé Joseph Kelly Matin, nous avons besoin
appliquer cœur nous à la sagesse, parce que personne ne sait, ni le jour, ni l'heure, que pour vous-même, éternité au cap commencé. Donc, nous espérons que chaque monde qui l'a matin, pensez à votre éternité, pensez au retour de Jésus-Christ. Et je vous souhaite déjà bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, tandis que les personnes préposées à recueillir les offrandes de l'Assemblée passeront les corbeilles, les musiciens pourront jouer des morceaux de leur choix. Bien-aimée sœur Lorna,
ainsi qu'à son petit frère, nos musiciens qui ont bien joué ce matin, n'est-ce pas? Amen. Et l'Église dit Amen. Et je dis que bon Dieu fait-nous des cadeaux. C'est une Église bénie, n'est-ce pas? Amen. C'est une Église bénie. Et nous remercions le Seigneur pour ces talentueux musiciens accordés à l'Église évangélique Baptiste-Siloyé. Et je demande au Seigneur de répandre sur ses enfants ses plus riches bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens d'apprendre que notre bien-aimé frère Jacqueline a été hospitalisé hier. Il est à Southside Hospital, l'île en chambre 2304. Donc, non seulement on a demandé pour nous prier pour notre bien-aimé frère, mais on a demandé également leur nouvelle possibilité de visiter lui pour encourager. Donc, le Seigneur compte toute bagaille. Et nous connaissons que la prière par une distance. Et si vous n'êtes pas capable d'aller après-midi pour visiter lui, songez prier pour notre bien-aimé frère Jacqueline. Un grand merci à l'avance. Nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 247 de la section française des chants d'espérance. Et je demanderai à la musicienne de jouer sur le premier couplet. Sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Dis à l'âme somnolente que déjà le matin luit. Point de repos, de relâche, racheté de l'Éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du grand jour luit. Sentinelle, sois au poste, jour et nuit. Thank you.
pouvez vous asseoir. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous allons céder la chair au serviteur de Dieu, le diacre Niskan Surfin. C'est pas lui-même qui va le parler. Bon Dieu va le servir avec comme un tuyau pour déverser de l'eau dans votre cœur. Amen. Nous allons que chaque monde prête oreille matin. Parce que bon Dieu a un message pour chacun de nous. Trop souvent, le message passe et vous aussi vous passez. Mais ce matin, je vous en prie, au nom du Seigneur, laissez le message de Dieu faire travailler dans le cœur. Bliez le prédicateur, mais songez que bon Dieu veut parler avec vous. Et c'est ça l'important pour nous. Trop souvent, nous regardons au prédicateur et nous oublions Dieu. Mais ce matin, qu'il plaise au Seigneur que chacun de nous capable de faire le vide dans nous-mêmes et laisser bon Dieu faire travailler dans le cœur. Parce que bon Dieu seul compte beaucoup. Livrez parler avec vous matin. Que le Seigneur vous soit en aide et qu'il soit en aide à son serviteur, le diacre, les sanctions sur fin. Amen. 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 Bon Dieu bénis. Amen. Qui côté pour nous tailler? Pour nous tailler bien. Que côté il est là? Amen. Combien de sentinelles il y a là matin? Amen. Sentinelles, yo. Sentinelles qui sous poste, yo. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. God is good. Amen. All the time. God is good. Amen. Pasteur, je suis content avec madame, famille. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, 80 ans. Cependant, l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je vais laisser lire en anglais. La traduction anglaise est la même. The days of our years are 70 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Amen. Amen. Matin, nous pouvons essayer de mettre en contraste, dans la mesure que Saint-Esprit permet nous, l'immortalité de Dieu, l'infaillibilité de Dieu, la toute-puissance de Dieu qui trouvait nettement en contraste avec le mortel de l'homme, la faiblesse de l'homme, l'impuissance de l'homme. Et par-dessus tout, n'a dit tout, jounou yo, yo limité. Et yo limité considérablement. Pas oublier, notre Dieu est le créateur de tous ceux qui existent.
Bon Dieu, c'est lui qui créé tout bagaille. Et si on allait dans nous autres qui gagnent la Bible, nous allons dans Genèse. Genèse, c'est le livre commencement. Et là, nous apprenons histoire création. Dans Genèse, nous jouons dans Genèse chapitre 1er, plus précisément. Bon Dieu, il a créé tout le bagage. Nous parlons de la différence. En dépit de Jean, nous venons de générer. Mais qui ça, bon Dieu, qui a un plan pour moi avec vous? La Bible dit, le bon Dieu a créé tout le bagage. Il va mettre mail en rien, il va faire avec mail. Il seulement parler. Soit l'ange de Dieu dans tout côté qui est un état création, ou après dit, Dieu dit que la lumière soit, que la terre, que, etc., etc., etc. Dieu dit, lui seulement parler. Et là, regardez pour nous considérer merveille qui est dans la création. Avec celle bouche au palais. Est-ce que vous m'imaginez ça? Ce n'est pas de si bagaille gagné dans la création, non? Lorsqu'on est la Terre seulement, qui sont six planètes, bagaille gagné sous terre, ça, technologie gagné sous terre, ça. La Terre, ouais, c'est comme cinquième ou sixième planète dans le grossesse, sixième, si je ne m'abuse. Yo te dit c'est Jupiter puis gros planète. D'après astronaute, monsieur astronaute qui étudie astronomie. Yo te toujours dit c'est Jupiter qui puis gros planète. Nous venons dans l'autre range qui vient après eux. Et la Terre située dans environ 6e. Mais cependant yo actuellement découvri yon lot étoile. Yon étoile qui yon étoile oui. Comment mon dit dans Haïti yo descend yo aller étoile. Pas on dit ça yo bay moun bolet. Mon grand qui rale étoile descend. Parce que yo m'a fait blague pasteur. Est-ce qu'on connaît on est carré étoile? Vous comprenez? Gagne une étoile que vous découvrez actuellement, il y a le VY ou bien Canis Majoris. Étoile ça, il est 265 fois plus gros que Soleil là. Tandis que planète Soleil ça, il est 1 300 000 fois plus gros que Terre, que planète Terre. Bah, vous comprenez? Soleil là, on va calculer là, il est 1 300 000 fois plus gros. Que planète Terre ça que tout le monde a vu là. Cependant, étoile ça a rencontré à Kounye là, les 265 fois plus gros que Soleil là. Ça veut dire que si vous avez tout à l'heure coupé vos terre, vos sur la terre, les 344 millions et demi fois plus gros que Haïti. 344 millions 500 000 fois plus gros que la terre. Et les étoiles ça a chauffé 10 millions de fois plus gros, plus chaud que le soleil. Alors que le soleil a fait descendre plus bas, la terre a brillé. Étoile ça a été 10 millions de fois plus chaud que le soleil. Tout le bagage ça a créé, seulement l'éternel pas parlé. Il existe. Et il y a des billions de galaxies qui ont viré. En laisse ou tête nous là que nous pas ka wè. En bas pied nous tout en bas de l'eau. L'Éternel fait tout avec celle parler. Ça c'est grandeur bon Dieu. Comparé avec moi qui pas rien. We are nothing compared to God. Hein? En plus que ça, ou quoi le wè qui différence qu'il y a dans bon Dieu. Bon Dieu seulement parlait pour le faire tout ça et on a dit là. Tandis que la lumière sur l'homme, il changeait plan, il changeait méthodologie,
Il dit l'homme m'a pas parler pour me faire l'homme. Mais m'a prend sang pour me faire avec même. Et contrairement, c'est pas seul Lionel yo qu'on son trio que yo, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Leur arrivé côté pour yo faire dans Genèse 1er 26 sur quoi faire l'homme. Yo dit on nous mettez nous ensemble, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis, yo toi, le conseil céleste se réunit, yo chita, et puis yo fait moi avec vous, Jean Wallou est là. Et, ou même quoi, quelle que soit façon, forme, figure, ou semble à bon Dieu. Surtout si on se dit bon Dieu. Si on est chrétien. Parce que, pas de monde qui a dit m'lette, même si on est plat, me semble à bon Dieu, parce que la Bible dit, selon Genèse 1er, bon Dieu fait selon image et selon ressemblance. Alors, il me semble à mon Dieu. Si on joue m'lette, ou joue bon Dieu, l'aide tout. Bon Dieu n'a rien ni couleur, il toute couleur. Il a une taille, il toute taille. And so on, and so on, and so on. Bon Dieu fait une semblable. Et non seulement ça encore, nous pouvons aller plus loin. Il fait nous pour nous vivre bien et longtemps pour nous vivre éternel, même Yahvel. Parce que vous oubliez, nous avons l'esprit bon Dieu dans nous. Parce que souffle ça. Ou à respirer, qui faut au monde, qui faut agir, ou bouger, ou tout. La Bible dit c'est bon Dieu, là, elle vient pour un poussière terre, elle forme une masse, chère ça. Et puis la Bible dit, l'issouffler dans la narine, nous, dans détourner l'esprit. Et puis il fait, moi, avant nous devenir une âme vivante. Et c'est ça qui a fait nous tailler Banda, Jean ou notre tailler Banda, actuellement là. Cependant, dans le plan, il fait pour nous vivre bien. Et depuis avant de faire d'ailleurs, il mettait tout ce que nous avons besoin à disposition. Il mettait un jardin en éternel qui a tout ce que nous avons besoin. En bon état, hygiène. Un microbe à réveiller, un microbe fin. Tout le bagage était pur et fin. Et on va voir jusqu'où il y a le